la lettre A comme Amazon. De quoi s'agit-il? D'Amazon qui annonce des nouveaux produits Alexa. Ça, c'est mon avis pour Bruno. Je dis une bêtise. Et c'est oui. Et c'est pour Bruno. C'est ça. Bien entendu, les objets connectés, oui. Les assistants, c'est pour moi. Oui. Voilà. Et donc, je suis de très près, effectivement, Amazon. Et là, ils ont lancé, annoncé vraiment toute une série de produits, parfois un peu loufoques, vous allez voir. Donc, voilà, on va y aller, hein. On ne va pas s'attarder trop sur les produits, sachant que ça sera toujours lié à Alexa, donc leur assistant personnel. Donc, on aura, première chose, un four à micro-ondes. Eh oui, voilà, je vais faire télé-shopping maintenant. Un four à micro-ondes à $60 connecté. Wi-Fi avec intégration d'Alexa. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Hein. On dit à Alexa, quoi? On lui dit 30 secondes à 600 watts? C'est ça qu'on lui dit? Exactement. Et on va dire, par exemple, rajoute-moi 30 secondes. Et ça va rajouter 30 secondes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Faut pas se tromper, quoi. Rajoute-moi 60 minutes. Oh, zut, merde. Là, c'est foutu. Bon, y a un écran quand même qui montre ce qu'on fait. Mais imaginez dans une cuisine, en fait, vous êtes en train de cuisiner, le four à micro-ondes est en train de décongeler quelque chose. Ou, voilà, ça peut être bien. Bon, autre invention. Voilà, on passe à la suite. Oui, parce que... Alors, télé-shopping. Voilà. On avait fait un hors-série Sonos il y a quelque temps, à l'été. En fait, là, avec ces prochains produits Echo, donc Amazon Echo, ils veulent vraiment concurrencer Sonos. Donc, Amazon se lance vraiment dans le multi-room et dans l'audio de qualité. D'accord. Donc, on avait présenté certains produits Sonos comme le Sonos Amp, donc qui se connecte, enfin qui a un amplificateur intégré, qui se connecte à des haut-parleurs de qualité. Et en fait, donc Amazon a lancé donc le Echo Amp aussi. Ben, ils ne sont pas allés chercher trop loin au niveau du nom, ça, je vois, ouais. Mais qui fait exactement la même chose. D'accord. Donc voilà, c'est un amplificateur intégré et qui est complètement lié à tous les services de streaming que Alexa supporte et donc est commandable par la boîte aussi. Si je comprends bien, c'est quoi? C'est du matériel Sonos vendu sous la marque Amazon ou non, pas du tout? Ah, non, c'est vraiment un produit Amazon, mais concurrence. Enfin, c'est vraiment une copie des appareils qui existent chez Sonos. Et à côté de ça, ils ont sorti le Echo Link, qui est la même chose sans amplificateur. Ces produits-là existent aussi chez Sonos. D'accord. Ceux qui ont l'image pourront voir les deux produits. Ils ont profité aussi pour renouveler toute leur gamme de haut-parleurs connectés existants. Donc, il y a le Echo Dot, donc la version petite. Il y a l'Echo normal, donc un peu plus grand. Ils ont maintenant sorti un subwoofer. Et oui, encore un produit qu'ils ont un peu copié chez les concurrents. Et ils ont sorti un produit qui vient de sortir, en fait, qu'ils ont annoncé par la suite. C'est l'Echo Input. C'est la même chose que l'Echo Dot. Donc, c'est avec l'Echo Dot, c'est le plus petit modèle avec haut-parleur. Là, l'Echo Input, c'est sans haut-parleur. Donc, il permet en fait, c'est une petite galette qui se met quelque part, qui a une sortie jack ou une connectique Bluetooth qui permet donc d'être relié à d'autres enceintes Bluetooth qui existent déjà existantes. Ouais. Et donc, à prix réduit, parce qu'il est à $35, permet en fait d'avoir un assistant dans chaque pièce. D'accord. C'est un peu le but. C'est un peu l'équivalent du Chromecast audio, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou du AirPlay. Sauf qu'il a des micros. Ah oui, d'accord. Sauf qu'il a des micros intégrés. Okay. Voilà, l'input a 4 micros, donc c'est un produit Alexa sans haut-parleur, mais tout le reste est là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est en gros les annonces. C'est pour brancher sur un système existant tout en bénéficiant des fonctionnalités Alexa, quoi. Donc, c'est ça un peu l'idée. Ou un haut-parleur Bluetooth qu'on aime bien, qui nous a coûté la peau des fesses. Et comme ça, on peut rajouter un système existant, un assistant vocal. Seb, qui a beaucoup d'haut-parleurs à la maison, qui a des assistants. Tu utilises des assistants, toi, Sébastien, non? Oui. Ouais. J'utilise du Google Home, contrairement à Bruno qui est plutôt sur du Pro Alexa. J'utilise aussi. Et donc, j'avais commencé avec le Google Home classique. Je suis passé
à deux petits mini pour mettre pour les gosses, parce que les gosses posent plein de questions en Google Home. Ah oui, je me Et c'est très rappelle ça. pratique. Oui, c'est les plus grandes utilisatrices de Google Home à la maison. Elles posent toutes les questions possibles et imaginables. Même de Et Belgique, il paraît. alors, ouais, Chez Google, ils disent, oh, c'est probablement. encore les gamines, les Belges, là. C'était un des premiers qui était ici à l'époque où on devait encore l'importer. Et je viens d'importer le Smart Display de chez Lenovo, qui lui, effectivement, c'est un Google Home, mais avec une petite tablette. Donc tu vois effectivement ce que tu recherches. Et j'étais dubitatif un peu au début, en me disant, bon, ça peut être sympa, mais au final, c'est qu'une tablette. Mais c'est assez sympa, parce que ça, voilà, ça te permet d'afficher tes rendez-vous et tes retours en disant, bah, à quoi ça ressemble? Je voudrais une photo de Paris avec la Tour Eiffel. Je bim, il te fout de Paris avec la Tour Eiffel. D'accord. Et c'est, voilà, c'est assez, au final, c'est assez pratique. C'est-à-dire, tu t'en fous d'avoir une photo tous les jours de la Tour Eiffel. Mais quand tu veux le trajet pour aller à tel endroit, il t'affiche directement le Google Maps avec la carte du trajet. Et tu dis, ah ouais, ok, c'est par là que je vais. Et tu prends ça en mangeant ton sandwich en courant. Donc, c'est pas mal. Bruno? Oui, au niveau statistique, donc Alexa est encore l'assistant le plus répandu dans le monde. Par contre, Google Home Mini, le petit modèle, ce modèle-ci, et oui, je l'ai aussi. Ce Il est top, modèle-ci, hein. il a été, c'était le modèle le plus vendu le dernier semestre aux États-Unis. Donc, Ah oui. ils sont en train de Google est Hop. en train de rattraper Alexa, enfin Amazon à grands pas. D'accord. Mais il est vraiment bien, hein. Ouais. La qualité est assez sympa, le son est sympa. Celui-là, le petit est très sympa. C'est un peu écarté du sujet, hein. On est parti sur du Amazon pour finalement vanter les Voilà. mérites de Google. Mais c'est voilà, ça fait Non, mais c'est partie les aussi de. assistants. Ce sont les assistants de manière générale. On peut passer à la suite? Vous êtes d'accord? Allons-y.